l'hôpital. On va te soigner. Oh, mon petit chien. Oh, wow, cette clinique vétérinaire est trop cool. Les filles, je vais directement dans la salle de soins pendant que Mia, la réceptionniste, crée le dossier du patient pour vous. Ok. Allez, courage, mon petit. Bonjour. Nom et âge du patient? Oui, bien sûr. Mon petit chien s'appelle Chile et il a 2 ans. Super. Et ton nom est? Nicole. Nicole Martinez. Parfait. Vous avez maintenant un dossier à l'hôpital. Vas-y, tu peux aller avec Zoila, la vétérinaire, dans la salle d'examen et de traitement. Génial, merci. Ne t'inquiète pas, Nicole. Ne sois pas triste. Je n'ai jamais vu une vétérinaire mieux formée que Zoila. Tu verras comment ton chien va guérir. Et vous serez de retour ensemble à la maison plus vite que tu ne le penses. Oh, merci, Iris. Surtout pour être venue me soutenir et ne pas me laisser seule. Vous êtes les meilleurs. Ne t'inquiète pas. Je suis sûre que tous les enfants de la chaîne aideront afin que Chile puisse être guéri rapidement. Oh, je le souhaite tellement. Allez, allez, tu vas manquer à Chile. Chile mesure 56 cm. Super. Et il pèse 25 kg. Un poids correspondant à sa taille et à son âge. Alors, tout va bien, docteur? Oh oui, Chile est aussi en très bonne condition physique. Oups! Quel est le problème, petit gars? Ta patte te fait mal? Ne vous inquiétez pas, nous allons tout de suite aller dans la salle du scanner pour vérifier que les tests de l'ambulance sont corrects. Je t'avais prévenu que manger des arepas au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner tous les jours aurait des conséquences. Voilà, nous avons terminé. Voyons voir. Que voyez-vous, docteur? J'ai bien peur d'avoir eu raison. Chile doit se faire opérer tout de suite. Sinon, il pourrait perdre toute la mobilité de sa patte. Je peux entrer avec lui? Je ne veux pas qu'il se sente seul. Je suis désolée, Nicole. Personne n'est autorisé à entrer dans la salle d'opération. Quoi? Je pense que nous ferions mieux de les laisser seuls un moment. Chile, le docteur Zoila va t'opérer maintenant. Mais n'aie pas peur. Je t'attends dehors, d'accord? Tu es mon meilleur ami. Je t'aime aussi. Nicole, tu veux une boisson gazeuse? C'est du citron pini lima. Oh oui, j'ai besoin de quelque chose pour me réveiller. Tant d'heures d'attente m'ont épuisée. Tiens, c'est moi qui invite. Oh, merci. Tellement de saveurs! Ça rafraîchit! Bonjour les filles! Oh, Chile! J'ai de bonnes nouvelles! L'opération a été un succès! Tout est parfait pour Chile! Oh, oh super! Et pourquoi il a ça sur le cou? C'est le cône de la honte! Quoi? Rainbow! Désolée, je n'ai pas pu résister! C'est juste une collerette. Il en a besoin pour garder le bandage sur sa patte. Il est important de le garder pendant les 2 prochaines semaines. Et évidemment, il a aussi besoin de beaucoup de repos. Donc, pas de compétition pendant un long moment. Animaux. Le pauvre! Regarde ce que je t'ai apporté, Chile. Je suis sûre que ce cadeau va te remonter le moral. Oh, qu'est-ce
Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'aimes pas ça? Ne lui en veux pas, Nicole. Chile vient juste de sortir d'une opération. Je pense qu'il a besoin de récupérer. Bien, dans ce cas, rentrons à la maison. Il est temps de se reposer. Oh, merci pour tout, Zoïla. Oui, tu es la meilleure vétérinaire de Real Fantasy. Je dois dire que les likes des enfants m'ont bien aidée pour l'opération. À bientôt, les filles. À bientôt. Surprise! Nous sommes très heureux que tout se soit bien passé. Nous espérons que tous ces cadeaux aideront Chile à bien se rétablir. Tu es le meilleur Chile! Oh, merci pour tous les amis! Chile est super heureux!